faut savoir avec l'improvisation, c'est qu'elle est partout. Vous avez tous déjà improvisé dans votre vie. Par exemple, quand vous allez à la boulangerie. Et en fait, vous vous rendez compte que vous avez déjà baisé la boulangère. Ou quand vous allez à une boîte échangiste avec une amie et qu'en rentrant, en fait, vous croisez votre mec avec sa patronne. Alors qu'il vous avait dit qu'il voyait son meilleur ami Patrice ce jour-là. La règle numéro 1 en impro, c'est qu'il faut accepter tout ce que proposera l'autre. C'est pourquoi nous allons faire l'exercice du oui et... Je suis à l'Olympia devant 5000 personnes. Oui et... moi aussi. Oui et... Bah c'est cool. Oui et... Et... des oiseaux arrivent dans la salle. Oui et ils mangent les yeux des spectateurs qui sont nus. Oui. Et se rhabille. Oui, et avec des combinaisons en latex et des gottes ceintures. Voilà pour l'exercice du Yes End. Nous avons pu voir ensemble la première règle de l'improvisation comme au théâtre, l'acceptation. Quelle belle forêt de Fontainebleau. Oh, regarde! Un chameau! Mais non, c'est un dromadaire! Il n'a qu'une bosse! Oh, attention, il court sur nous, il va nous tuer! Mais non, enfin, les animaux m'adorent. Regarde comme il est gentil, il s'appelle Guilin. Non, j'ai l'impression qu'il te déteste. Oh, mais en plus, il s'appelle Chantal. Alors, Guilin, tu as faim? Tu as l'air bien soucieux. Oh, viens là, ma Chantal, viens là, ma Chantal. Prends le bâton, Chantal. Vas-y, jette, cours! J'ai l'impression qu'il essaie de nous emmener quelque part. Viens, Gilles, monte avec moi sur Guilin. Non, moi, je vais prendre le métro. Ok. Oh, Guilin! Où m'emmènes-tu, Guilin? Wow! Hey, super impro, bravo! Oh là là! Oh, c'était génial! Voilà, super! Toi aussi, t'as été génial! Comme quoi, rien ne vaut une belle mise en pratique de l'improvisation comme au théâtre. Et c'est sûr que la théorie est bien impuissante et pittoresque face au marasme de la beauté de l'art et du développement de l'acteur et du comédien professionnel. Quoi? La deuxième règle de l'improvisation, comme au théâtre, est l'écoute. Nous l'aborderons... Écoute. Merci. Nous l'aborderons donc... L'écoute est vraiment la deuxième règle de l'improvisation comme au théâtre pour devenir acteur. Et comédien professionnel. Nous l'aborderons donc dans une prochaine vidéo. Et dans notre formation. À très bientôt. Vite. Bientôt, à très bientôt. C'est très important l'écoute. Tu t'appelles Guilin? Non, Chantal. Ou Chantal. Voilà. Abonne-toi. Abonne-toi. Non, abonne-toi. Non, abonne-toi. Abonne-toi. Non, abonne-toi. Allez. Allez, cours. Abonne-toi.